Salut à tous, c'est Atomium! Et on se retrouve. On se retrouve donc dans FF7 Dirge of Cerberus. J'ai changé de PS2, j'ai sorti la petite de la cave. La petite PS2 de la cave, hein. N'allez pas vous imaginer des choses, je ne sais plus comment on joue. Et en espérant que ça va bien se passer au niveau de la capture. J'espère que vous allez bien, désolé de vous avoir manqué. Ça ne sert à rien, d'accord. Alors, oui, on a vu des petits soucis de cinématique, malheureusement. Un magasin, c'est parfait. Optimisé, on s'en branle, j'ai pas d'argent. Non mais j'ai vraiment pas d'argent. Matériel à foudre, j'en ai déjà. Par contre, est-ce que je peux en vendre une du coup? Ça vaut peut-être des sous? Non? 700? C'est de la merde. Mais on va en vendre une quand même. Parce qu'il faut pas déconner. Ok, bon. On avait été contacté par une meuf qui était diablement courvêtue. Par ce temps plus vieux. Ah, je savais! Bande de bâtards. Alors, on recharge avec R2. Le temps que je vais remettre dans les bails. Hein. Et donc, à l'heure où je publie ça, vous avez eu votre premier épisode de Metal Gear Solid The Twin Snakes. Et il y a quand même pas beaucoup de gens qui l'ont vu, et c'est triste. Ainsi que le topo Metal Gear, Metal Gear 2, que j'ai mis au moins 6 ou 7 heures à faire. Hein, pour 9 minutes de vidéo. Dieu. Squad. Wipe out. Where hugs on the edge of town. They were gathering civilians. Ok, oh bah parfait, une carte clé. C'est pile ce qu'il me fallait. Mais tire, enculé. Ah non, L1 c'est pour tirer des matérias. Enfin, pour tirer de la magie. Ça, j'imagine qu'on peut y aller par l'autre endroit. Ça a l'air d'être un truc d'amélioration, ça. Ah, reste là, enculé. Ah, je suis désolé, je jure, hein, mais voilà, putain, mais... Faites chier. Ah ah! C'est des munitions, ça. Putain, mais... C'est des munitions, quoi. Je me sens un peu roulé. Ça servait à rien. Très très bien. Par contre là on va pouvoir récupérer... Non, je ne sais pas. Peut-être. Maybe. Maybe. Bonjour. Vous obtenez une hydre.
Pour vous équiper de cette arme, la modifiée, le fusil offre une meilleure précision de tir lorsque vous atteignez, vous attaquez des cibles éloignées. D'accord, donc c'est un sniper. Donc tant qu'à faire. Putain, qu'il est con. Tant qu'à. C'est par où, Jack? C'est par là. Modifié. Tant qu'à faire, arme numéro 1. Arme numéro 1, on va garder le Cerber. Non, on va garder le Cerber. Avec le canon standard. Voilà. Et la Mataya Brasier. Ça me va. En arme 2, le Griffon. Avec le canon standard. Peut-être le canon court, c'est rigolo. Ouais. Comme ça, ça tire un peu plus vite. Et peut-être la Mataya Foudre. Et là, par contre, on va prendre l'Hydre. Voilà, tant qu'à faire, avec le canon long, la hausse de sniper, et le soutien Cerber. Je pense qu'on est bien. Voilà. Et donc c'est comme ça. Comme ça. Ok, on est bien comme ça. Moi je trouve ça cool. Voilà, ça, ça pue tout ça. Des balles de fusil. D'accord, donc ça c'était juste pour choper le sniper? Non. Il y a évidemment un passage ici. Et ça veut dire qu'il va nous servir le... Ah, c'est mieux! C'est mieux cette cadence, ça scie beaucoup plus cette mitraillette. Allez, viendez, je vous attends, mon petit bâtard. Ça sent la zone de boss. Les 8000 boss du jeu, hein. Un boss tous les 10 mètres. Ah oui, donc il y a donc des snipers. Des snipers qui font du kendo, apparemment. Que je t'ai pas vu. Super. Ah. Ouais. Voilà. Il en reste normalement. Ça marche bien. Voilà, 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 voilà. Ah, on peut pas grimper. Ah mais t'étais là en fait, d'accord. J'ai pris un peu des potions au pif. Mais bon. Qui m'a tiré dessus? Quel élan pas fait qui m'a tiré dessus? Dénonce. Mais dénonce-toi. D'accord. Voilà. La petite potion. Un kid.
très bien, bon, il y avait un gamin. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je t'ai vu. Ah, tu décèdes. Et moi aussi, si ça continue. J'ai plus de vie, hein. Secretique. Alors, la queue de phénix, on m'a dit que ça m'empêchait de mourir, un truc comme ça. Ça me sauve d'une mort, en fait. Je m'en rappelle. Et je lis les commentaires et tout, hein. Et j'en tiens compte, comme le genre du grenier. Ah non, mais ça, on en vient. C'est là où il y avait le chien, puis après on est parti. Là, on nous a dit, hey, les snipers, putain. Fais pas le fou. Putain, mais il y a encore des snipers. Laisse-moi rentrer, gamin, je veux pas me faire plomber le cul. Miljis, non, mais moi, je veux de la vie. Je veux bien être riche, mais être riche, ça sert à rien si on est mort. Bâtard. Heureusement, il y a un jukebox. Ah, on peut acheter que 2 potions plus, c'est super. Et 4 potions, d'accord. Je commence à comprendre comment que ça se passe. Ok. Bon, eh ben on va déjà bouffer une potion plus, hein. Ah, je me sens vachement mieux. Ah oui. Tout ça pour ça? Non. Ah non, mais il y a une porte. Il y a une porte, il... Mais ça servait à rien de passer alors. Ah non, il y a un escalier qui descend, c'est vrai. Je suis rentré par la porte et pas par un escalier. Mais si, je suis... Mais je suis arrivé par là, putain. Exactement. Normalement, où est le gamin? Non. Eh bien, manifestement, ce n'est pas par là. C'est étrange. Bon, en tout cas... Ah, d'accord, il était caché derrière le bar. Gamin ? J'ai pas rêvé, il était par là. Hein. Je comprends pas. I don't comprend. S'il vous plaît, I don't comprend. Bonjour, je suis un tueur, ne t'inquiète pas. Toi, Gavroche. Thanks. Bah, de rien. J'adore tuer des gens.
The warehouse. I know how to get there. It's through that gate. You have the car key? Mais parle-lui un peu. I know someone who does. Follow me. Protéger le garçon? Ah non, c'est pas bien ça. Moi j'aime pas ça. De rien. Dépêche-toi. Bouge ton boule. Ah, il fait des pirouettes. C'est stylé. Vas-y, dépêche-toi. Over here. Over here. Gilles, ok. Ce qui manque dans le jeu, c'est un fusil à pompe. Par contre, je me pose une question. Est-ce qu'il y a moyen de... Ouais, voilà. Souris. Encore un petit peu. Ok, c'est un peu plus. Oh, t'es sérieux. Tu peux pas t'accrocher au rebord, putain de vampire. Ouais, comme tu viens pas, moi j'y vais. Hein. J'imagine que c'est le chemin. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres, hein, donc. Il faut vraiment. Dis donc, espèce de petit bâtard. Si tu pourrais pas bouger ton gros cul. Ton gros cul à casquette. Donc, moi, je veux bien te t'aider, tout ça. Mais si tu me suis pas, ça va pas le faire. Celui-là, il m'attend clairement dans le... Là. Il est clairement pas monté. Putain. Quel bâtard. Tu me dis que je te plombe ta race. Ah oui, c'est faut le protéger, ce petit con. Vas-y, dépêche-toi, Gavroche. Et attention au ruisseau. Vous vous rappelez des quêtes des quêtes d'escorte dans World of Warcraft où le mec il mettait sa vie à avancer. Par contre, dès que c'était fini, il courait comme un enculé. C'était magique. Je crois. Bah, cela dit, il y en avait des biens. Hein. Enfin, celle du Baron Windsor. Oui, le Baron Windsor. Calmez-vous. Roche Noire était vraiment cool. Surtout qu'il y avait du lore derrière et tout. Il y avait Onyxia, machin. Enfin bon, bref, on s'en fout. On est là pour être badass avec une cape toute déchirée. Et tirer sur des machins. D'ailleurs, en parlant de cape toute déchirée, dans Advent Children, et je sais pas si dans ce jeu-là c'est le cas, je suis pas sûr, parce que je connais pas vraiment la voix anglaise de Vincent, je la connais pas bien, mais c'est Kevin Conroy, la voix anglaise de Vincent,
Et Kevin Conroy, c'est un peu le doubleur officiel des dessins animés Batman. Ça va, quoi. T'es pas mort ? C'est bon là ? Vous êtes calmé ? C'est bon, tu peux avancer petit, j'ai tué tous les vilains à grand coup de plomb dans la face. Mais avec charisme et justice. Avance s'il te plaît. On dirait que je le braque. Allez ! Ah oui, c'est efficace ! Danse ! Alors qui pourrait me donner sa putain de clé à la con hein ? Danse ! Léa, mais dépêche-toi, hein, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? On va se faire attaquer ? Ah oui ! Ah oui ! C'est bon ? Non, il y en a un là-bas. C'est bon ? C'est bon. Tout ça. Ah oui, t'es résistant, toi. Une carte clé. Parfait. C'est genre le capitaine ou. Ah, c'est un cloud, c'est l'ombre de cloud sur la fiche jaune. Ah, ça bave, hein, je suis désolé. Là. Right. Thanks, kid. Avenge. I couldn't. Mom and Dad, right? But I couldn't move. I was too scared. Tu es un enfant, tu as à peine 8 ans. Please, please, help me avenge their death. Mais réponds-lui. C'est vraiment un connard. Mais réponds quelque chose, au moins. Je sais pas, une phrase à la con, de la morale, ou... De juste te barrer comme un voleur. Tu lui dis même pas merci, quoi. C'est vraiment un fils de poulpe. Hein. Voilà. Voilà. Toi tu te tais. Et toi t'es caché. Mais haha! Chaque fois je me gourre. Je crois que je l'ai eu. Où ça? Ah oui, ça marche bien aussi, hein, comme ça. Ah oui, on peut jouer comme dans Time Crisis. Enfin, en vue FPS, quoi. Salaud! Est-ce que ça se tente? Non, c'est pas par... C'est visiblement pas par là.
T'es là, fumier. Il est pas... Ah, si, il est mort. Ça pour traverser la rue, hein. C'est quand même pas très sûr ici, hein. Il y a même pas un putain de passage piéton. Donc il est mort. Bonjour. Limit Breaker x1. Ça, c'est mal de pistolet, ok. Prendre une potion, hein. Merde! Pardon, je suis passé à côté de toi sans te respecter, je suis désolé. L'intention était là, hein, mais... C'est quand même puissant le flingue de... Oh! Le flingue de base. Ouais, c'est possible que je l'ai amélioré et que je m'en rappelle pas aussi. Je crois que je l'ai amélioré. Critique qui va bien. Y a rien là. Non, y a rien. Ah, les bidonvilles quoi. Qui me tire dessus? C'est toi, Vilfakin. Pardon. Où ça? Ah d'accord, alors pardon, mais... C'est-à-dire que... Voilà, t'étais pas très visible. C'est bon? Est-ce que vous êtes calmé? Où ça? Ah mais attends, j'arrive. J'arrive mon chou. Qui m'a tiré dessus? Un mec en hauteur peut-être? Ah oui, il y a un mec en hauteur. Ah bah oui, non mais attends. Voilà, je suis désolé. Alors, on va optimiser l'hydre. Parce qu'on en a le droit. Ainsi que le canon court. Hein. Puisqu'on s'en sert maintenant. Est-ce qu'on peut acheter des choses?
2 potions plus et 2 potions machin. 2 potions narmol. Voilà, ça sent le boss. Ça sent la baise. Il y a les éclairs, tout va bien. Oh putain. D'accord. Donc toi t'as un lance-roquette et une épée ou des ciseaux. Super. On va bien s'éclater. On va les éliminer comme ça, les snipers sera plus simple. Ah ouais, d'accord. L'enchaînement au sol, il ne peut rien faire, il est guacké. Un petit limite break de temps en temps. Mais t'es mauvais, Jack. Puis il s'en va. Rien à branler. C'est quand même rien à branler, man. C'est assez impressionnant. First time I've ever felt the rain on my skin. But then again, I hadn't even seen the sky until a few days ago. So you're Vincent Valentine. The proto-materia. Proto. Pardon? Materia. Yes, the key to controlling Omega. We know you have it. Hand it over now, and I'll kill you quickly. Ah, ça se refuse pas une fois pareil. Not one to bargain, huh? Ouais, parler non plus. J'ai l'impression qu'elle a la même voix que Olga Gurlukovic. Ok, donc toi tu es le boss. J'ai bien fait de gâcher mon limit breaker sur le faux boss. Ah ouais, d'accord. Oh oui. Je suis Dark Vincent. Ah ouais, quand même. Et sunt Dracul.